Bonjour, c'est Charlène du plus petit cirque du monde. Aujourd'hui, je vous propose un tuto nommé émotif. Nous allons créer un masque comme ceci. Et le but, c'est d'ouvrir le dialogue sur les émotions de vos enfants. Allez, je vous montre tout, c'est parti. Du carton, de la pâte à fixe, une feuille de papier, un cutter, un crayon, un moule, de la ficelle et un pistolet à colle. De quoi décorer votre masque? Tracez le contour de votre futur masque. On le découpe soit avec des ciseaux, soit au cutter. On fait attention à ses petits doigts. La forme du masque est prête. Il ne reste plus qu'à le décorer. Faites tout sauf les yeux et la bouche. Écrivez des mots, des expressions, des attitudes. Découpez-les. Et hop, on plie les petits bouts de papier. Voici quelques exemples de bouche, d'yeux, de petits goodies, point d'interrogation, fatigué, petit nuage, les yeux dans un sens, les yeux qui rient, la bouche en cœur, tire la langue, des petites larmes, tout pour pouvoir faire le maximum de petites expressions. Fixez ensuite de la ficelle au niveau des oreilles. Faites un nœud derrière votre tête, le masque est prêt. Il nous faut une main innocente. Prenons la mienne. On mélange. Et on choisit un petit morceau de papier. Alors, voyons sur quoi je vais tomber. Amoureux, super. Il ne vous reste plus qu'à jouer. Tirez au sort une émotion, essayez de la reproduire sur le masque et puis essayez de trouver une petite posture marrante en fonction de votre masque. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez fait plein d'émotions, de postures différentes. N'hésitez pas à nous poster sur le Facebook du plus petit cirque du monde toutes vos créations. Gros bisous.